toujours quand Darko se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. Abu Dhabi a donc tenu, voilà, à faire une vidéo afin de demander pardon à sa femme. Demander pardon à toutes les femmes voilées, voilà, qui se sont senties indexées, humiliées. Non, attendez un peu. Abu a demandé pardon à sa femme. Oui. Oh, wow. C'est sa femme qui lui demande les excuses ou je comprends mal. Abu Dhabi a donc demandé pardon à sa femme. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Non, 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 c'est pas possible. Moi-même, je n'arrive pas à croire. Attendez, on écoute un peu Abu. Je regrette fortement la tournure des choses. Comment ça a pris, comment ça a tourné. Stop! Tu as demandé les excuses ou pas? Mais c'est pas vraiment moi, c'est juste mon ego et ma colère et ma haine qui a parlé par rapport à ce que j'ai vécu. C'est pas vrai! Et puis j'en suis sincèrement désolé, mais c'était pas mon intention première, je le répète. Je suis vraiment désolé d'avoir sali l'image des femmes voilées. Quoi? Quoi? T'as dit quoi? Tu racontes quoi même? T'as dit quoi? Il faut répéter, j'ai pas compris. Je suis vraiment désolé de... Quoi? Hey! Voilà un dindin qui vient de trahir le syndicat. Allah! Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Azo méritait pandazon. Mmh. C'est souillant, hein. Vraiment, c'est très souillant. C'est très souillant. C'est même dessoignant. C'est dessoignant, je suis déçu. Je te dis que... Papa Abu, pourquoi tu demandes les excuses? Moi, ma conscience, je suis pas tranquille. Quitte-la! Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça? Petit frère, mais bien lent. Petit frère, t'en es bien lent. Et lent oiseau. T'en es lent oiseau. Adama, on peut faire ça? Tout ça, c'est le manga, hein? Seigneur, jusqu'à... Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Donc, une femme qui te trahit et avoue, on t'envoie les photos, tu la vois nue, avec chicha, bague en main, string. Et c'est toujours toi qui cours pour demander pardon. Mais ça, on peut faire quoi du genre si? Oh, c'est pitié incroyable. On va lui juger. C'est vrai. Là, tu as vraiment raison. Mais avant de passer au jugement, je voulais vous informer que la deuxième promotion de la formation en montage vidéo, création des contenus, création de la page officielle Facebook monétisée, est prévue le 28 et le 29 septembre 2022 au complexe Las Vegas à Messassi de 16h à 20h. Ne ratez pas, on s'inscrit à partir de maintenant. 10 000 frais d'inscription par formation. Ok. Retenez bien l'heure pour ceux qui travaillent de 16h à 21h. Ok. Je demandais, qu'est-ce qui a poussé vraiment Abu à demander pardon? La dame en question a reçu énormément de menaces, énormément d'harcèlement et énormément d'injures sur les réseaux sociaux. Va en bout, savez ça, madame. En vrai? En vrai? Massa, Abu, un gars aussi charismatique comme toi, mon frère, avec tout le charisme là, tu cours derrière une go. J'ai raconté juste mon histoire. Avec cœur, avec vérité. Je voulais juste me libérer, je savais pas que ça allait en arriver là. Quitte là-bas. Vraiment, mon type, tu nous as rabaissé. Depuis hier, je culpabilise parce que telle ou telle personne est pris pour cible. Vous mettez en danger les gens. Ok, c'est moi qui ai allumé la mèche, mais wallah, je savais pas que ça allait en arriver là. Ah bon? Je suis fatigué. Mouf, dégage là-bas devant moi. Ton maudia! Avec tes noyaux qui sortent de ton pantalon. Tu es zéro nul. L'ordre de zéro nul, zéro. Et sa taille économique, un enfant maudit. Pardon, laissez comme ça. Sandra, pardon, reviens. C'est toi qui avais raison. Hey! Non, tu es une femme. Petit. Donne-moi les cours, s'il te plaît, tata. Attendez, je bois ma première verre. Je vais être ton élève, grand prof, colonel, général, non, présidente. Vous me rendez dingue. Donc, tout ça, pour ça. Toutes les femmes du monde, nous sommes des... On te soutient, on va te soulever. Parce que ce que tu as fait, c'est impensable. Hey! Hey! Maman Abu! Hey, hey! Tata Abu! C'est ta bouche. Vous allez voir. Retour à la réalité. Tu vas lire sous le couvert de la mamie. N'oubliez pas, les amis, de réserver votre place pour ce super hyper film qui sera en projection le 19 novembre 2020 à Paris. Ok. Un film qui lutte contre la distinction de peau. Un super film. Regarde la bande-annonce. Je dois vous parler d'une situation légèrement délicate, monsieur Ecouin. Vanessa a-t-elle fait quelque chose? Je ne vois pas bien ce qui est au tableau. Avec ses professeurs, nous avons conclu qu'il lui faut impérativement des lunettes. Ta fille est en train de jeter tout ton maïs à semer. Si seulement elle avait les lunettes. Ses égaux sont à l'école en ce moment. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai dit qu'elle n'ira plus à cette école. J'en ai terminé.
lorsque mon grand-père a immigré dans ce village et s'est lié d'amitié avec le tien, n'était-il pas plus noir que du charbon? Tu as été incapable de me donner un fils. De surcroît, tu as mis au monde une inapte. C'était dans le fond de ta pensée depuis tout ce temps, Ekwe. Il faut que tu reçoives ta nièce là-bas en ville. Ça devient très dur pour elle ici au village. Bienvenue à Douala, ma fille. Tu ne vas pas me dire que cette chose est ta nièce. C'est une chaîne de télé que je tiens par un centre pour handicapés. Je vais devoir te demander de libérer ces locaux. Au plus vite. Pourquoi on me traite comme un défaut que j'aille? Si vous ne retrouvez pas Vanessa, ne revenez pas ici, hein. Comment sommes-nous censés retrouver Ngengoro? Et à part ses livres et ses vêtements, rien qui puisse nous aider. À l'école de la résilience, l'albinos n'a pas droit à l'échec. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.